J'ai vu cette. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. C'est la loi des séries. Chaque semaine, vous le savez, on passe en revue ce qui fait l'actualité de la fiction et de la fiction française sur nos écrans. Dans la deuxième partie de l'émission, c'est la nouvelle série d'Arte qui sera à l'honneur. Ça s'appelle Polar Park. Nous recevrons deux des interprètes de cette petite pépite. Il n'y a pas de mots pour le dire. Découverte lors du dernier festival Sériemania. On en reparle dans la deuxième partie. Mais dans la première partie, c'est un unitaire qui sera à l'honneur. Un unitaire qui va faire beaucoup parler dans quelques jours sur France Télévisions. Porté par Pierre Arditi, autour d'une partie de la vie d'un des grands hommes d'État français. Il s'appelle Clémenceau, Georges Clémenceau. On en va en parler dans un instant avec notre invitée. Elle est scénariste de cette très très belle fiction de France Télévisions, Nathalie Saint-Cricq. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir en compagnie de Julia Gabriele qui est à mes côtés. Bonsoir, bon. Julia. On est très heureux d'être avec vous pour parler de cette première, finalement quasiment, incursion pour vous en tant que scénariste de télévision. Ah oui. Je ne suis pas sûr qu'on puisse ni me qualifier d'écrivaine ni de scénariste. On peut dire que je suis journaliste qui s'essaie à autre chose. Ouais. Je l'avais écrit, donc après quand on m'a proposé de l'adapter, je me suis dit que j'allais le faire avec quelqu'un qui est un senior, si j'ose dire, parce que moi je ne suis pas forcément capable de faire ça. Donc on a été avec Jacques Santamaria, plus la réalisatrice. Lorraine Lévy, c'est qu'on a fait notre petite soupe tous les trois, avec chacun un prisme, chacun une génération, chacun une façon de voir, de manière à ce que ce soit le plus proche de l'histoire. Quitte à ce que ça s'éloigne quelquefois du livre, parce qu'on ne peut pas tout raconter, et qu'il fallait mélanger politique et histoire d'amour de façon équilibrée pour ne pas être ennuyeux. On n'oublie jamais, il ne faut jamais toujours le dire, quand on se plaint que la fiction historique s'éloigne de la réalité, on rappelle que dans fiction historique, il y a le mot fiction, et que c'est important de raconter aussi une histoire. Il faut savoir le raconter. Si vous racontez quelque chose avec une scène qui se passe dans un bureau pendant un quart d'heure, avec quelqu'un derrière le bureau et la personne en face assise, on va s'enquiquiner. Exactement. Donc il faut que ça bouge, il faut que ce soit beau, et là... France 2 vraiment a choisi de nous aider pour qu'on puisse tourner là où ça se passe. C'est-à-dire qu'on a réussi à tourner même dans le cabinet de toilette de Georges Clémenceau qui fait 2 mètres carrés. Et à Giverny, dans la maison. Et à Giverny. Ouais. Alors attendez, Giverny, ça a été le cauchemar. Ah ouais. Parce qu'on a eu droit. Vous savez, Giverny, c'est plein tout le temps. En gros, il y a des réservations jusqu'en 2064. Et ça ferme quand il fait mauvais. Et quand ça ferme, on ne pouvait pas tourner parce qu'il fallait tourner avant. Bref, on a dû négocier, commencer vers 17h. Et se barrer vers 1h du matin et mettre nos fausses fleurs. Parce que vous savez, il y a un problème de Giverny. Évidemment. Si vous voyez pas, il n'y a pas de nénuphar. On Giverny, est déçus, ouais. On est déçus. Donc, on a mis nos fausses fleurs. On a tourné. Je ne vais pas tout vous raconter, mais enfin, bon, on s'est débrouillé. Et on a tourné également en Vendée, dans la maison de Clémenceau. Pierre a dormi dans le lit de Clémenceau. Pierre, dit-il. Oh, exceptionnel. Voilà, il était un peu. Oui. Donc, si vous voulez, ce qui est bien, c'est qu'on se dit que ça. La qualité, certains nous disent après les projos que ça a la qualité d'un film, mais qu'on l'offre, enfin on l'offre. C'est gratuit, c'est pour les téléspectateurs, et ça ne veut définitivement plus dire que quand on fait un téléfilm, on fait quelque chose de dégradé. Il y a toujours eu ce petit mot que les gens n'aimaient pas, qui était le mot téléfilm, qui était un très joli mot, qui est de faire du film pour la télévision. Bah voilà, et il y a des fois de très très grands films de télévision et de très mauvais films de cinéma. Exactement, et sans payer sa place, sans sortir pour les gens qui ne peuvent pas sortir. Donc sur le service public, et après avec cet avantage, c'est que c'est disponible sur le site de France.tv. Exactement. Et que donc on peut le revoir à volonté 74 fois si vous, voulez, si vous êtes amoureux de Pierre Arditi ou que vous aimez le travail ou des Millicamps ou du travail de Nathalie Saint-Cricq. Il y a beaucoup d'arguments. Ou de Nathalie Saint-Cricq en tant que scénariste. On va avoir d'ailleurs un extrait dans un instant, un extrait savoureux que nous a confié France Télévisions pour cette émission. Auparavant, on commence toujours cette émission par une petite avant-première d'une fiction qui va arriver dans quelques semaines. Elle a reçu le prix de la meilleure série de 52 minutes au dernier festival de la fiction télé de La Rochelle. On va, j'espère, en parler dans quelques semaines. L'héroïne de cette série s'appelle Marie Colomb. C'est une jeune actrice qui démarre, mais qui a démarré très fortement il y a quelques années avec la série pour France Télévisions qui s'appelait Laetitia, sur ce fait divers tragique. La série s'appelle Follow, elle arrive sur 13e rue, ce sera à partir du 25 novembre prochain, et voici le premier teaser. Voilà,
c'est le petit teaser, pré-teaser avant la bande-annonce. La police de Paris est sur les dents. Un serial killer sévit dans les rues de Paris. Une jeune femme que joue Marie Colomb, qui est la community manager de la gendarmerie nationale, est chargée évidemment de regarder un petit peu les réactions des différentes personnalités sur les réseaux sociaux. Et elle se rend compte qu'elle est contactée par le tueur en série qui la prend pour cible et qui va se mettre à discuter avec elle. Et elle va se retrouver donc impliquée dans cette enquête. Marie Colomb est absolument formidable dans cette série. Elle était déjà prodigieuse sous l'œil de Jean-Xavier de Lestrade dans Laetitia. C'est vraiment la révélation. Et elle joue en ce moment dans la nouvelle série de Prime Video qui s'appelle Trash, qui est sur l'épisode Love Story. Et elle joue le rôle de Loana, enfin l'équivalent de Loana dans cette série, donc pour Prime Video qui s'appelle Trash. En attendant, follow donc à partir du 26 novembre et ensuite sur Universal. Plus, on revient à Clémenceau, la fiction événement de France Télévisions sans transition. Loana, Clémenceau. Et justement, pour faire la transition, on va découvrir un extrait savoureux parce que vous parliez de cette expérience nouvelle du scénario. Ce qui fait plaisir dans la fiction télé, c'est quand elle nous délivre des scénarios et des dialogues jouissifs. Voici un petit extrait de Clémenceau qui le démontre. Bonjour. J'aurais deux mots à vous dire. J'ai eu peur que vous ne veniez pas. Eh bien, quelle surprise! Notre aimable père la victoire, notre tigre national, sorti de sa tanière. Quel honneur! Bonjour, brillant. Alors, te voilà de retour dans ce ministère. Enfin, que veux-tu? Quand le malheur s'acharne sur une maison. Voilà bien longtemps que vos sarcasmes n'ont plus prise sur moi, monsieur le président. Ben oui. Tel un aigle, tu planes au-dessus de tout ça. Si je dis un aigle, c'est pour ne pas te dépayser. Tu dois voir beaucoup chez tes amis allemands. Oh. Mes idées valent mieux que les vôtres. Je comprends que cela vous gêne. Tes idées? Quelles idées? Les plus hautes qui soient. Celles qui tendent vers la paix. Parce que tu crois qu'en laissant l'Allemagne faire ce qu'elle veut, tu auras la paix? La France vient de dépenser 6 milliards pour ses armées. L'Allemagne, 8. Dans 10 ans... Tes idées nous jetteront dans une nouvelle guerre. Eh bien, s'il m'était impossible d'éviter une nouvelle guerre à la France, au moins lui aurais-je épargné que vous soyez président de la République. Ça n'est déjà pas si mal. Alors n'oublie pas que les idées dignes d'être défendues ne poussent que sur un seul terreau, l'intelligence. Tu devrais t'en faire livrer. C'est savoureux. Franchement, ça fait plaisir. Mais c'est savoureux parce qu'il était comme ça. Si vous voulez, il n'y a pas eu... Quand on regarde tous les livres, quand on lit à la fois ce qu'il a écrit lui, ses discours à l'Assemblée, tout, c'est bourré, truffé de mots d'esprit. Il était connu pour ça. Il n'était pas génial en discours, mais il était formidable en réplique. On l'appelait l'Attila de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'en gros, quand quelqu'un disait à la tribune, faisait un discours comme un qui a dit « Moi, j'aime beaucoup les ouvriers, j'y suis attaché », il se levait, il criait bah, « Oui, vous les aimez saignants ». Si vous voulez, ça, toutes ces phrases, en fait, le dialogue, il suffisait de se servir. Ouais. On ne peut pas faire sans arrêt des citations, mais quand il dit à la mort de Félix Faure, en rentrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui, on n'a aucun mérite, c'est lui qui l'a dit. Quand il dit à ma mort, à mon enterrement, épargnez-moi un discours de Poincaré, j'aurais l'impression de mourir deux fois. C'est lui qui le dit. Mais est-ce que vous avez pris plaisir à en inventer quelques-unes? Est-ce que c'était un exercice? On a essayé d'être à la hauteur, parce qu'on ne peut pas se permettre, si vous voulez, d'avoir des traits d'esprit pendant, 50 fois, et puis le reste du temps, d'être complètement plat. Donc on a essayé de s'inspirer du style, mais on ne pouvait pas non plus faire un dictionnaire des citations. Évidemment. Comme en plus, il y a une histoire d'amour, si vous voulez, ça ne se prêtait pas sans arrêt. Mais, si vous voulez, on a essayé de mettre de la politique régulièrement. On ne peut pas en mettre tout le temps parce qu'en plus c'est compliqué, on ne va pas expliquer le traité de Versailles. Enfin, oui, il rentrait dans le budget. On l'effleure, mais on fait un peu plus que l'effleurer. Parce que la phrase qu'il dit en s'adressant à Briand, quand il dit « Nous aurons la guerre si on continue comme vous », il a dit à son secrétaire Jean Marté, et ça c'est lui-même le secrétaire Jean Marté qui l'a répété, qu'en 1929, il a dit, 10 ans avant Hitler, il a dit « Vous verrez que dans 10 ans, nous aurons la guerre ». Donc, ça, c'est vrai aussi. Oui, il y avait toute une partie de la classe politique qui avait conscience qu'on avait beau être, entre guillemets, les vainqueurs, qu'à trop humilier, notamment, l'ennemi ancien. Oui, mais alors, justement, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a une grande version après la guerre qui était de dire que Clémenceau avait fait une paix trop dure. Mais en fait, il n'a pas fait une paix trop... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, moi, je ne suis pas rentrée dans les détails. Mais il n'était pas pour... Il demandait simplement
Certes, on se souvient de l'Allemagne pirate, tout ça, mais enfin, elle n'a pas payé, elle s'est réarmée. Les Américains, eux, voulaient qu'on rembourse. Donc voilà, mais je ne suis pas très objectif quand il s'agit de Clémenceau. Pourquoi Clémenceau ? Pourquoi avoir choisi Clémenceau ? Et pourquoi surtout avoir choisi cette partie-là de la vie de Clémenceau ? Alors, pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que c'est un personnage politique hors norme, qui a du talent, qui est drôle, qui est incroyablement, quand il dit « quand on est jeune, c'est pour toujours », c'est quelqu'un qui se fait virer du pouvoir à 82 ans et qui, au lieu d'aller ronchonner et de faire du sudoku, décide de s'occuper des fleurs, d'être amoureux. 668 lettres à Marguerite. Moi, j'ai lu une bio de Clémenceau, très classique, puis je vois en trois lignes, un peu bâclées, il tombe amoureux de Madame Baldensperger, il a alors 82 ans, il lui écrira 668 lettres et c'est elle qui s'occupera de son œuvre après sa mort. Ah, trois lignes. Quelqu'un à 82 ans, 668 lettres, une femme qui a 40 ans de moins, ça prouve que c'est pas par rapport à son caractère. Ouais, c'est un mec qui hurle tout le temps, qui bougonne tout le temps, qui casse des trucs, qui est une espèce de diable. Et je me dis, après tout, tout le monde a écrit sur Clémenceau dans tous les sens, tout le monde a tout raconté. Il y a Clémenceau et la chasse, Clémenceau et le pouvoir, Clémenceau et les curés. Je me suis dit, je vais voir si je trouve un truc du côté de Marguerite, parce que je me suis dit, ça doit être merveilleux dans une vie d'avoir un homme, surtout de ce talent, de cette intelligence. Et de proche en proche, j'ai retrouvé les petits-enfants de Marguerite, j'ai retrouvé la famille, j'ai retrouvé des documents qu'elle avait écrits. Et du côté de Clémenceau, j'ai cherché toutes les traces. Et on a les 668 lettres qu'il a écrites, surtout. C'est fascinant. Donc, en les lisant, on peut retrouver ce qu'elle lui écrit. Et moi, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. C'est pas trop dans l'air du temps, quand même, si vous voulez vous faire arriver en disant... Non. Et pourtant, c'est pas dans l'air du temps. Je vais faire un truc sur Clémenceau ou... Bah, la correspondance amoureuse à l'ère des réseaux sociaux, je trouve que c'est très actuel, comme ça, des personnes qui se parlent sans se rencontrer. Oui. Moi, ça me parle et je ne viens pas de cette époque-là. Oui, mais moi, j'étais sûre que c'était un sujet très intéressant. Ouais. Et puis après, ils m'ont dit, bon, ça a marché, mais tu te rends compte que tu reviens de loin. Voilà. Mais c'est fascinant parce que c'est vrai qu'il y a l'image, vous le rappeliez, cette multiple image qu'on a de Clémenceau selon les périodes à laquelle on s'est intéressé. Pour une partie du grand public, Clémenceau, c'est le tigre, évidemment, qu'on connaît notamment à travers les fameuses brigades mobiles illustrées par la télévision dans les années 70. Donc il fallait se détacher de cette image-là. Et alors là, en plus, l'énorme surprise, c'est que non seulement vous vous en détachez pour nous raconter une très belle histoire, mais en plus campé par un Pierre Arditi qui est absolument fantastique en Clémenceau et qui est méconnaissable. Et pas caricatural. Et pas caricatural du tout. Non, mais si vous voulez, j'ai pensé à partir de la moitié du livre, je me suis dit, influencé par mon fils qui est scénariste dans la construction... je l'ai vu en cinéma un peu. Enfin, je l'ai vu. J'ai vu le livre en images. Et après, je me suis dit, on s'est demandé qui pouvait incarner. Depuis le début, je pensais à Pierre. Mais je me suis dit, il va peut-être être vexé si je lui propose un truc. Le mec, il a 82 ans. C'est pas terrible. Et après, si. Après, je lui ai dit, écoute, lis le bouquin, tu me dis. Et je dis ça parce que je ne sais pas que je tutoie d'être entière, mais lui, je le tutoie à l'occurrence. Oui, non, mais vous avez parfaitement. Non, mais j'aime pas les gens. Genre, j'ai dit à Pierre, tu l'as appelé. Je trouve ça. Voilà. Non, et à la fin du maquillage et de la perruque, parce qu'il a, lui, il a des cheveux, beaucoup, un jour, je suis arrivée, c'était des essais, et je l'ai vu, je me suis dit, putain, il ressemble exactement à Clémenceau, avec le chapeau. Et lui-même disait, en sortant du maquillage, je ne ferai pas du Arditi, je ferai du Clémenceau. Il sait qu'il peut avoir des tics de jeu, qu'il sait qu'il peut avoir une façon de se mettre en colère. Et qu'on l'attend aussi pour ça. On l'aime pour ça. Évidemment. Mais quelquefois, si on voit Arditi et pas Clémenceau, ça ne marche pas. Non, non. Et là, ça marche. Et lui-même était... Je peux vous dire, la scène où il dort dans le lit de Clémenceau, parce que c'est quand même... rue Franklin, là où habitait Clémenceau, il y a son lit, il y a son couvre-lit, il y a sa robe de chambre, il y a ses chaussons. Ça a l'air peut-être tarte dit comme ça. Non, non, mais... Mais quand Arditi s'est mis dans le lit... Vous voyez, il a eu un... Ça peut être un peu pesant et voilà, il a réussi à s'en emparer. Mais oui, mais c'est grâce à ça qu'il a pu... C'est grâce à ça, je pense, qu'on devient quelqu'un d'autre. Bien sûr. Quand on a cette espèce de... C'était pas du carton-pâte. Il y avait encore... Il fallait vraiment qu'ils soient imprégnés dans le... Ouais, il y a un petit calendrier qu'ils ont arrêté le jour de sa mort. Vous savez, les choses... Oui, les feuillets. Et il y a une... Et l'heure aussi. Et je pense que moi, quand je suis rentrée dans la chambre, toute petite, en plus, c'est pas du tout un truc le luxueux. Avec le calendrier et ça, je me suis dit, ouf, voilà. On est le là. Temps s'était on arrêté. Y est, ouais. On y est, ouais.
On et pourtant, je suis pas du genre. Non. Mais c'est, oui. Mais c'est quand même une figure qui en impose. Et c'est vrai que. Est-ce que vous avez choisi, vous qui suivez la classe politique depuis très très longtemps, est-ce que vous avez choisi aussi Clémenceau parce que il renvoie à une certaine notion de la politique qui n'existe plus avis. Aujourd'hui. Je savais que j'avais la réponse dans la question. Là, on est sur un scoop, Alexandre. Non, mais voilà. Oui, mais attendez. Faut. Je suis pas nostalgique. Je trouve qu'il est très courageux. Et il dit en plus, c'est-à-dire qu'il est, il arrive au moment de. À la présidence du Conseil, au moment où tout le monde pense que c'est fini, ouais. Que la guerre, ça va mal finir et tout. Et il lui faut un courage incroyable. C'est le premier qui va dans les tranchées. C'est le premier qui va sur le terrain. C'est le premier qui félicite, réconforte, qui prend des risques physiques. Et il dira un jour, j'ai une peur panique du pouvoir. Donc c'est quelqu'un de beaucoup plus compliqué qu'une espèce de butor bouché qui se fout. Non, ouais, et non, il s'intéresse aux petites gens. Il fait venir les gueules cassées au traité de Versailles pour pas que ce soit que des ambassadeurs, des grands messieurs. Et c'est pour ça que j'aime son caractère. Enfin, je le trouve insupportable. Mais il survivrait pas aujourd'hui deux minutes. Ah bah, c'est misogynie, ouais. Mais c'est misogynie. Il fait des blagues homophobes. Il dirait ce qu'il pense quand il écrit, quand il arrive au ministère de l'Intérieur et qu'il dit « Messieurs les fonctionnaires sont priés de ne pas partir avant d'être arrivés. » Ah, j'adore. Là, ouais, la phrase du journal, là. Bah voilà, vous avez un mouvement de grève dans les 12 secondes. Sur Twitter, il dirait « Bande de... » Je sais pas quoi, voilà. Vous savez ce qu'il a fait un jour, il a mis du... Comme il y avait un député qui l'a agacé parce qu'il mangeait dans l'hémicycle, il lui a versé il avait une fiasque avec du Porto, il lui avait versé dans le cou en lui disant comme ça vous aurez le liquide pour aller avec la nourriture. Le mec qui fait ça à 70 ans, si vous voulez, c'est fini. Il serait fini aujourd'hui. Il aurait une punition. Mais on n'arrive pas à lui en vouloir quand... Non, parce que c'est une... C'est alors parce qu'il est jeune, à 80 ans et qu'il a... il est gamin. Moi, c'est cette force-là. C'est un jeu d'enfant. Une espèce de force de vie... Voilà, et puis ça, et son histoire avec Monet, enfin son histoire. Vous allez découvrir une partie de la vie de Clémenceau que vous ne soupçonniez pas, effectivement, qu'on ne connaît pas, que moi je ne connaissais pas. Pourtant, c'est le dragueur fou aussi. Ah bah oui, c'est ça. On le créditait de 600 maîtresses. Il ne voulait pas démentir, il a eu probablement moins. On n'a jamais envie de démentir quand on est crédité de 600 maîtresses. C'est ce qu'il disait. On dément souvent quand on en a deux, mais pas quand on en a 600. Pierre Arditi n'est pas le seul d'ailleurs à s'illustrer de manière brillante dans cette fiction. Regardez. Oh non! Merci beaucoup, monsieur le président. Non, mais c'est beaucoup trop. Oh, bon, Colette. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les semaines, le président a ses homards, de la part des femmes des pêcheurs. Mais elles veulent pas d'argent. Pourquoi? Mais le président a fait voter une loi autrefois pour qu'elles touchent une pension, au cas où la mère leur prendra leur mari. C'est comme pour le loyer de la maison, que le propriétaire refuse qu'il paye. Alors le président. On donne aux pauvres ce que le loyer lui coûterait. Regardez-le comme il est beau. Je suis pas dégueulasse. Écoutez, Alfred Hitchcock apparaît bien dans ses films. Pourquoi pas Nathalie Sarkozy ? Merci, oui. Enfin, bon. Non, mais je pensais que vous alliez me montrer François Martouré en modé. On vous a montré. Ou vous alliez me montrer Émilie Caen qui est magnifique ou Elisabeth Bourgine. Bon, j'ai tout fait le monde ça. Je vais vous dire un truc. J'ai fait ça parce que ça m'a amusé. Ça m'a permis d'aller passer deux jours sur le tournage et voir comment c'est. Après, c'est pas effectivement... comment dire ? C'est la première fois de ma vie qu'en sortant des mains d'un coiffeur et d'un maquilleur, j'étais plus moche qu'avant. Si vous voulez, c'est un phénomène assez rare. C'est-à-dire que normalement, quand on fait des émissions, quand on va à la télé... Bah, c'est mieux après. Oui, c'est mieux après. Et là, ils m'ont foutu 10 ans dans la vue. Un peu de gris, là, pour au cas où j'aurais bonne mine. C'est bon pour l'ego, c'est rafraîchissant. Tout à fait. Ça calme. Voilà. Ça calme. Ça repose. Voilà. Et puis on se prépare à ce qu'on vivra dans 10 ans. Alors je serai peut-être pas habillée comme ça. Vous allez vous trouver formidable dans tous les. Je me mettrai un petit fichu comme ça pour aller au marché. On s'en réjouit. Écoutez, il y a quand même cette espèce de position, de stature. Enfin voilà. Vous êtes là, Nathalie Saint-Cric. Clémenceau, c'est vraiment à ne pas rater, vraiment. Et je remercie d'ailleurs les équipes de communication de France Télévisions qui nous ont mis face à ce magnifique projet qui arrive sur les antennes, parce que c'est vraiment un très beau film. Je tenais à vous le dire, on était ravis de pouvoir en parler avec vous. Mais quand même, je voudrais qu'on mentionne, parce qu'on le fait souvent, on va aussi mentionner votre roman, qui est toujours dans les bacs, on va en revenir dans un instant. On a toujours un petit jeu avec des photos qu'on fait dans cette émission. Avant de recevoir nos invités de la deuxième partie, on va montrer deux photos. Je vais vous poser des questions qui s'en approchent, évidemment. Voici la première qui va apparaître sur les écrans. Oh.
C'était il y a 5 ans. Nathalie Saint-Cricq, quand on est une journaliste politique, on suit la classe politique pendant des années, on parlait évidemment de Clémenceau et tout ça, et qu'on se retrouve d'un seul coup propulsé dans le bain de l'animation du débat de l'entre-deux-tours d'une présidentielle. Est-ce que c'est une forme de consécration ou est-ce que finalement ça peut aussi ressembler à un piège pour des journalistes? Oh, écoutez, d'abord, ça ne peut pas se refuser. Ouais. Parce qu'on se dit, c'est trop mal. Enfin, on se dit, moi, je me suis dit, surtout, j'ai la trouille, quoi. J'ai peur. Et après, je me suis dit, je suis vraiment une idiote si je dis, oh non, non, j'ai piscine. Ensuite, c'est quand même, sur le fond, un exercice très convenu, parce qu'on n'a pas le droit de dire grand-chose. C'est surtout du passage de plat. Et que des coups à prendre. Bon, de toute façon... On vous reprochera toujours de ne pas être assez virulente ou d'être mais trop... Mais je n'avais pas le droit, et en plus, ils coupaient le son quand on parlait. Mes seules interventions pendant toute la soirée, c'est « ça suffit, on enchaîne, ça suffit, ça suffit ». J'ai un registre de langage très, très élaboré. Et ensuite, c'est un bon souvenir, globalement. Ouais. Mais c'est, honnêtement, ce n'est pas une consécration. Ils se sont mis d'accord sur Christophe, Jacques-Cuisine et moi, parce qu'ils ont retoqué les autres, quoi. Ils n'ont pas dit, putain, ça crie. J'adore comment vous dites ça, c'est vachement honnête. Ouais, non, mais... Bah non, mais c'est la vérité. C'est parce que Marine Le Pen ne voulait pas d'un tel, Macron ne voulait pas deux hommes, ça pouvait être deux présentateurs de 20 heures, il fallait être la parité, il fallait tout ça, donc c'est tombé sur nous. Mais c'est très bien. C'est une très bonne... Aujourd'hui, vous pouvez organiser un débat avec Clémenceau et la personne de votre choix. Vous avez une petite idée de qui... Mais Clémenceau, il me trouvera insupportable, je pense. Je ne suis pas si sûre, mais je ne vous connais pas. Non, si pour être un de ses amis, il me trouverait bien. Mais pour être une femme, il me trouverait épouvantable. Ah, oui. Il aime pas les femmes qui prennent trop de place. Non, il aime les femmes qui sont douces, gentilles. Qui font pas de vagues. Très ennuyeux. Pas trop. Non, parce qu'il a beaucoup de correspondance avec des femmes intellectuelles. Donc, il est pas du tout. Il ne pense pas que les femmes, c'est une plante verte. Ouais. Mais celles qu'il aime, celles qu'il apprécie, elles sont probablement plus féminines. Mais je serais plutôt du côté de Monet que du côté de Marguerite. Sans la barbe. Mais vous pourriez placer n'importe quelle personne devant Clémenceau. Là, vous n'avez pas une idée comme ça aujourd'hui sur le plateau d'un débat Dupond-Moretti. Ok. Ah, Dupond-Moretti, Clémenceau. Ça, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que vous considérez, par exemple, qu'un homme comme Dupond-Moretti s'inscrit dans cette, sinon dans cette tradition, en tout cas, il leur emprunte si des vous choses. Voulez, ayant été avocat, il a une maîtrise du verbe qui est assez grande. C'est pas évident. Ouais. Vous savez, sous la quatrième, il y avait beaucoup de gens qui étaient avocats et qui parlaient très très bien grâce à ça, qui étaient devenus politiques en étant avocat. Et je trouve que Dupond est vif. Dupond a une truculence qui ressemble un peu à celle de Clémenceau. Donc, je veux. Dans tous les gens que je vois, il me semble avoir une faconde qui s'approche de... Ouais, il serait à la hauteur. Mon petit grand-père. Mon petit grand-père. Dernière photo que je voudrais qu'on voit, Nathalie Saint-Cricq, on va la voir apparaître évidemment à l'écran. Votre fils qui officie sur BFM. Oui, qui a Benjamin sa cravate. Enfin bon. Son mais père alors... et moi, nous ne sommes pas entièrement d'accord sur cette cravate. Mais la question que je voulais vous poser en le voyant, c'est de vous demander, en le voyant animer ces rendez-vous politiques sur BFM, est-ce que, en quoi vous vous dites parfois, vraiment, l'interview politique, l'exercice a changé, je ne ferai pas comme ça, je ne ferai pas ceci, ou est-ce que finalement, il... Non, je trouve qu'il y a une continuation, il y a une continuité, pardon. Je trouve qu'il fait, comme on faisait, ou comme on fait, globalement. Il y a probablement un peu plus de... proximité et de maîtrise de la télé, c'est-à-dire que il est face à des politiques qui sont des enfants de la télé aussi. Ouais. Alors que moi j'ai été confrontée à des gens comme c'est pas les frères Lumière si vous voulez, mais qui ont découvert le médium. Non, quoi. Mais des gens comme Édouard Balladur par exemple, pour faire une phrase courte, c'est passé deux ans, donc on n'avait pas la même familiarité. Pas une familiarité, ça veut pas dire complaisance. Non. Mais en gros, lui il parle la même langue que les jeunes ministres, donc il a probablement un style un peu plus décontracté que ce que j'avais au début, mais globalement sur le papier les questions sont à peu près les mêmes. Ouais, c'est la même chose. Ouais. Mais c'est une génération incroyable, ils ont pas peur. Ouais. Moi les premières interviews j'étais morte de trouille. Surtout que là propulsé évidemment animateur du rendez-vous politique cette saison sur BFM, c'est aussi une sans piston. Sans je rien. Réponds à cette phrase, à ce truc. Ah, on vous la pose pas. Non, mais il a été stage LCI, ils sont venus le chercher. Moi. Tout ça, il fait partie des journalistes qu'on voyait progresser et qu'on n'avait aucun doute qu'il pouvait détenir son rendez-vous doute politique. Il ferait quelque chose, mais s'il a pu faire autre chose, ça m'aurait bien plu, vous voyez. Donc... mais après. Mais il est très. Moi qui suis le rendez-vous politique le dimanche sur BFM, il est. Nous, on il était bien à l'école ensemble et je savais déjà qu'il allait faire des grandes choses. Donc ça m'est très bien. Vous avez été plus visionnaire que moi. Quant à moi, je ne peux pas le voir le midi parce que j'ai moi-même une bah oui, évidemment. Donc c'est mon mari qui fait ça. On a une seule télé, il devient fou. Voilà. Je ne suis pas étonnée pour moi. Je rappelle aussi
regardez à l'écran la sortie, toujours dans les backtours disponibles. On va le voir d'un roman, le roman de Nathalie Saint-Cricq, L'ombre d'un traître. Évidemment, ça pourrait faire quasiment l'objet d'une autre émission parce que il y a énormément de choses à dire dessus. Mais je vais vous poser la question que nos confrères de Télématin vous ont posée aussi. C'est le prochain scénario ? C'est aux autres de savoir, c'est aux gens de savoir s'ils ont un désir vis-à-vis de cela. C'est quelque chose qui est différent de ce qui est peut-être dans l'air du temps. Parce que c'est une histoire qui se passe après la guerre, ouais, et pendant la guerre, et que c'est sous forme de polar, et que c'est j'ai essayé de faire quelque chose de drôle, bien que le sujet ne le soit pas. Oh, c'est jouissif. Enfin, pas mortel, en tout cas, pas ennuyeux. Après, je sais pas ce qui se fait en ce moment en fiction. Si ça se fait, ça sera génial. J'ai deux producteurs que ça intéresse. Après, il faut des diffuseurs. Voilà, puis je vais pas commencer à produire à la chaîne comme une malade mentale dès que je fais un livre. Non. Voilà. Non. J'ai trouvé un rôle pour Arditi quand même. Bah oui, ça reste évidemment un très grand comédien. On pense à lui. Évidemment, il devrait reprendre la pièce Le Lapin. Le 8 novembre. Il reprend le 8 et le 6 et lui-même veut faire ce rôle-là. Bon, voilà. Bah voilà. Donc ça y est, c'est signé. Ça va être fait. Je pense que France Télévisions, c'est un endroit aussi où ça a toute sa place. En attendant, pour découvrir le premier scénario de Nathalie Saint-Cricq, ça s'appelle Clémenceau. C'est donc le 6 novembre sur France 2. Avec Jacques Santamaria. Avec Jacques Santamaria, qui est un très grand scénariste. Absolument. Aussi. C'est important de le rappeler. Et qui sera disponible ensuite sur la plateforme de France.tv. C'est important pour pouvoir le revoir 386 fois en boucle. La séquence de Nathalie Saint-Cricq ou d'autres. Ça, c'est à vous de choisir, évidemment. Je remercie d'ailleurs Patricia et Alexia du service communication de France Télévisions qui étaient en coulisses et qui nous ont permis de faire cette émission. Merci beaucoup, Nathalie Saint-Cricq, d'avoir été avec nous. On va vous rendre votre liberté dans un instant. C'est l'équipe de la série Polar Park qui va nous rejoindre. Pépite, Nathalie Saint-Cricq, regardez-la, ça vaut vraiment le coup. Je vais m'y mettre très vite. Très vite. Très vite. Très très beau. Détourner de mon boulot, ça va être parfait. C'est voilà, ça va vous changer un peu les idées. Et bah justement, à quoi ça ressemble Polar Park ? Voici la bande-annonce. Les gendarmes ont retrouvé une oreille coupée. Et ça vous intéresse pourquoi ? Bah parce que j'écris des romans policiers. Je suis une grande admiratrice de vos livres. Un moine devait me révéler un grand secret, mais il est mort. Un secret comme celui que votre mère... Je vois pas le rapport avec ma mère. Une petite voix dans ma tête me disait de rester quelques jours de plus ici. Je veux vous aider en faisant équipe avec vous. Si je cherchais un coéquipier, vous seriez le dernier sur ma liste. Un assassin qui transforme les gens qu'il a tués en tableau, c'est... L'art de poétiser la mort ? Ce type d'assassin qui se donne du mal pour faire une mise en scène a forcément un message à faire passer. C'est le principe avec les serial killers. Un serial killer. Amout. Rousseau, l'écrivain dont je t'ai parlé, Scrollant de Da Vinci Code. Pardon, mais vous m'avez demandé d'être très très discret. On s'ennuie jamais avec vous. Hein. Voilà cette bande-annonce de Polar Park. On s'est emmitouflé dans nos polaires. On est dans l'ambiance de cette ville de Mout. Improbable petite ville pour recevoir ce qui est la pépite de cette fin d'année. Polar Park, disponible donc depuis le 25 octobre jusqu'au mois d'avril. Alors, les excuses du genre j'avais piscine pour pas voir la série, vous ne l'avez pas, il faut vous précipiter pour la voir. Sinon, ce sera le 2 et le 9 novembre sur Arte. C'est vraiment l'une des très 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 belles réussites, je le disais, de cette fin de saison pour Arte qui les enchaîne. Et pour en parler, on reçoit deux des acteurs de cette formidable série et on les aime tous les deux dans cette série tellement ils sont formidables. Guillaume Gouix et Solienne. Moi, c'est bonsoir à tous les deux. Et bonsoir. On est ravis de vous avoir, ravis de parler de cette série, ravis de parler de cette pépite qu'est Polar Park. Alors, comment résumer Polar Park ? On a vu la bande-annonce, mais grosso modo, un auteur à succès, joué par Jean-Paul Rouve, est ramené dans un village dans lequel sa mère a passé un temps dans un monastère, sous prétexte de lui révéler un grand secret. Et au moment où il arrive, il se retrouve confronté avec la police locale à tout simplement un serial killer qui transforme ses victimes en objets d'art. L'homme à la pipe de Van Gogh ou le portrait de Marilyn par Andy Warhol, qui est joué d'ailleurs par une comédienne que tu connais, je crois, bien, qui joue la... Ben oui. Fallinor Rouvier. Ah, c'est une de mes meilleures. Exactement. C'est drôle. Et qui joue Marilyn. Adapté donc du film, adaptation libre, mais quand même prolongée du film dans lequel tu étais, Guillaume, qui est Poupou Pidou, qui sort en 2011 et qui est signé aussi Gérald. Oui, c'est ça, on va dire que c'est inspiré quoi, du film plutôt. C'est le même univers, il y a le même un peu duo d'enquêteurs, mais c'est une enquête complètement nouvelle. Je trouve que c'est encore. Je devrais pas dire ça parce que j'adore le film et puis moi j'étais plus jeune et tout, c'était un super moment, mais je trouve que c'est encore plus fort
en série parce que son monde à Gérald Eustache Mathieu, qui est complètement comme ça, son côté loufoque, en même temps très précis sur les personnages, très... avec le format de la série, il a vraiment le temps de se déployer, il a vraiment le temps de nous inviter quoi, dans son imaginaire à lui. Et c'est un vrai amoureux, pour l'avoir vu en conférence de presse, c'est un vrai amoureux de la série télé. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme beaucoup de réalisateurs aujourd'hui qui s'excusent de faire de la série télé ou qui y viennent par opportunisme. Lui, il y va parce qu'il sait qu'il a quelque chose de plus à raconter avec la série télé. Je crois vraiment qu'il a, en tout cas, il a l'espace pour ça, quoi, pour tous les petits détails de malade mental qu'il a dans sa tête. Pour les mettre partout. Ses références, ses clins d'œil, son humour, et puis les personnages secondaires qu'il adore. Donc là, il a le temps de les mettre en place, quoi. Il a le temps qu'on les aime, il a le temps qu'on. Ah, moi, je trouve que c'est. Honnêtement, je suis hyper fier, quoi, content d'être invité dans son monde à ce metteur en scène. Ah, on ne saurait que l'être. On a même envie d'y retourner, même dans cette ville de Mutz, qui est pourtant très très mal fréquentée. Hein. Le taux de criminalité par rapport au nombre d'habitants est quand même assez fort et très élevé. Soliane, on vous a ramené un gobelet d'eau. Vous voyez quelque chose dedans ou pas? Non, parce que votre personnage est très chaman. Elle voit plutôt dans les lettres de Scrabble. Ouais, il faut me ramener le Scrabble. C'est ça qui est quand même assez. Cubes, ça marche. Comment on peut la décrire, ce personnage qui est juste à la fois fantasque et poétique? Mais comment on peut. Ouais, Nikki, je crois qu'elle est un peu décalée. C'est une nana de Mutz, donc. Une nana de Mutz. Ouais, c'est vrai. Ça n'a aucun sens. Mais c'est une nana de Mutz qui, je pense, a. Une nana de Mutz. Ouais, nouvelle chanson. C'est un truc un peu à la Cabrel, ouais. Une nouvelle chanson à faire, ouais. Et je pense qu'elle a un peu fait le tour. Elle est bibliothécaire le jour. Elle fait ses chansons et ses compositions la nuit dans le pub de Mutz. Et ouais, elle est complètement. Elle est un peu ailleurs, quoi. Elle va chercher l'inspiration ailleurs, elle est décalée. Et je pense que du coup, elle est le côté un peu intuitif. Ouais. Je crois qu'on est complètement opposés dans la série, tous les deux. Et il y a le personnage de Rousseau qui est au milieu et du coup, qui va être influencé par nos deux univers. Mais elle incarne, quoi, aussi, je crois, c'est-à-dire que c'est a priori un village où il ne se passe pas grand-chose d'habitude et où j'ai l'impression que la gendarmerie n'a pas grand-chose à faire d'habitude et les habitants vous non plus. Et là, c'est ça que je trouve aussi super et qu'incarne Nikki, le personnage que joue Soliane. Mm-hmm. C'est tout d'un coup tous ces gens qui se mettent à rentrer dans ce jeu-là et presque toute la ville en fait, se met à enquêter et à être dans le jeu, à pouvoir être suspecté, à suspecter les autres et à se regarder. Tout le monde joue à une forme de partie Cluedo. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est vraiment plaisant. Il y a un truc où tout le monde part un peu. Avec ce lien qui se tisse au fur et à mesure, avec Jean-Paul Rouve qui se prend un peu pour un ersatz de Philippe Marlowe. C'est un peu ses privés à l'américaine. On pourrait imaginer d'ailleurs qu'il a un chapeau sur la tête, le par-dessus et tout, qui arrive avec l'utilisation de la voix off. En filigrane où il raconte tout ce qu'il voit. Enfin, c'est comme ça, c'est plein de petites références. On les prend, on les reconnaît, on les reconnaît pas, on s'en fout parce que de toute façon, on se met dans l'histoire quand même. Enfin, voilà, c'est. Et il se les a appropriés aussi, je crois. Ouais, parce que je pense que Gérald, il a digéré ses références aussi. C'est presque inconscient, c'est des choses qui le nourrissent. Qu'il aime. Mais il a son monde très très propre à lui, quoi. C'est pas un ersatz d'autres séries, c'est vraiment son monde qui est nourri de toutes ces. Toutes les choses qu'il aime. Pétri d'hommage à plein d'univers différents. Et vous allez voir que la neige conserve bien. Parce qu'évidemment, on n'allait pas résister à l'envie de revisionner un teaser de Poupoupidou. Ça va faire mal. Pour voir un peu. Et regardez, Guillaume Wyss, non, pas tellement changé. Regardez, ça s'appelle Poupoupidou. Ça date de 2011. C'est l'histoire de ma vie. Il aura fallu que j'attende d'être morte pour qu'un mec bien s'intéresse à moi. Ah oui, vous l'avez vu la veille de sa mort. Pour sa couleur, elle est oxygénée pour faire comme Marilyn. Elle est née un 1er juin. Elle était blonde. Et elle est morte d'un suicide probable, comme Marilyn. Moi, je vais pas faire les mêmes erreurs. Vous allez pas vous en sortir comme ça. Vous voyez la réincarnation? Et vous avez trop d'imagination. Là, vous avez bien, on ne voit pas, mais on n'a pas vu Guillaume. On voit pas.
C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai, j'ai vu tellement d'images. J'ai vu tellement, mais en fait il y a des teasers qui font 2 minutes. La bande annonce est très longue et bon, c'est vrai. On revoit mais je mettrai une photo, je vous mettrai la bande annonce dans le teaser du replay. Parce que moi j'en ai vu tellement pour revoir, j'ai quasiment je me suis dit la prochaine étape c'est de revoir le film tellement je suis amoureux de cet univers là et voilà, mais on reconnaît plein de choses, ouais, c'est génial de voir ça. Même Marilyn, enfin c'est même Marilyn qui est là quasiment, cette espèce de sosie de Marilyn. Sophie Quinton, qui est une actrice géniale. Mais... hallucinant. Mais c'est vrai que déjà à l'époque, moi je me souviens quand il m'avait proposé le film, j'étais en train en tant que spectateur de regarder Twin Peaks. Passion Twin. Et quand j'avais reçu le scénario, je m'étais dit waouh, wow. En fait, là je vais aller faire un épisode. Genre j'étais vraiment déjà un côté Je pense qu'on va tomber d'accord. Alors cher Guillaume Wicks, je vais vous montrer une photo qui concerne Soliane et vous allez voir moi immédiatement à qui ce personnage m'a fait penser. Regardez cette photo qui va apparaître à l'écran, c'est un photomontage qui apparaît derrière vous. C'est Julie Cruz qui est la chanteuse donc du bar de Twin Peaks, égérie de David Lynch, et évidemment que votre personnage m'a fait penser à Julie Cruz dans Twin Peaks, quoi. Encore une fois, je pense que c'est une inspiration qui a dû être digérée par le réalisateur. Moi, j'ai pas regardé Twin Peaks. Je me suis fait engueuler d'ailleurs la semaine dernière de pas connaître. Il faut regarder Twin Peaks. Ouais, cette énorme référence. Et par contre, beaucoup de gens m'en parlent. Beaucoup de journalistes m'en parlent de. C'est hallucinant. Et Poupidou, vous l'avez vu? Oui, bien sûr. Ça, oui. Carrément. Non, je parle. Tout le monde sur la série avait vu le film. Plus ou moins. Je sais pas où on fait semblant de l'avoir vu. Non, je pense quand même que c'est un C'était peu le travail. Quand même un peu ouais. Temps, ouais. Donc, et c'est important parce que c'est vrai que beaucoup de fictions se sont inspirées de Twin Peaks depuis 30 ans parce que c'est un peu le leitmotiv de beaucoup de gens, mais peu de fictions ont réussi à le digérer et à se le réapproprier. C'est vrai que là, la façon très très belle dont Nicky se produit sur la scène de ce pub dans Moot. Moi je la trouve, ces séquences sont d'une poésie folle, la chanson de Stéphane Lopez est vraiment magnifique, tout est beau quoi. Puis il prend le temps quoi, de réaliser, de montrer les personnages, ce qu'on disait, il a le temps avec la série, donc c'est super quoi, il prend le temps de faire cette scène, par exemple la première fois où on la voit chanter, c'est beau, c'est long, il prend le temps de la chanson, on met nos chaussons quoi pour aller dans la série, c'est vraiment chouette. Est-ce qu'il y a des moments qui ont été plus difficiles à tourner dans cette série? Parce que c'est ne serait-ce que le climat, parce que c'est pas évident. On avait Clémentine Poidaz la semaine dernière qui parlait d'un unitaire mort au sommet, on tournait dans les hautes montagnes. Pareil, elle dit le froid, c'est compliqué de le gérer. Moi, j'allais répondre le froid. Ouais, c'est ça. Oui, toi, c'était dur, toi. Ouais, c'était dur parce que vous avez du vu tout. Le look. Ouais. Et j'ai fait les essais costumes au mois de septembre-octobre à Paris où c'était super chauffé. Ah ouais. Et déjà, la costumière m'avait dit « T'as conscience quand même que tu seras à Moot, le village le plus froid de France, entre janvier et mars, quoi. » Je t'ai dit « Ouais, mais pour le rôle, c'est super chouette. » Il faisait très, très froid. Il faisait très, très froid. Ouais, et vraiment, il y a une nuit surtout où, en fait, en plus, je me la jouais cow-boy de « Non, mais c'est pas grave, j'ai pas froid. » Et en fait, sauf qu'on a la mâchoire qui se crispe et après, on ne peut plus travailler, quoi. Ça ne se voit jamais. J'ai découvert les chaufferettes. Non, mais les chaufferettes. Ah oui, ah oui. Ouais, t'en mets deux dans les chaussures, deux dans les poches et ça repart, quoi. Fascinant aussi que ce binôme que vous constituez avec Jean-Paul Rouve. On a envie d'en... je sais que la politique d'Arte n'est pas de faire des fictions récurrentes, et c'est bien dommage, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas envie de vous quitter. Il a changé de politique. J'aimerais bien, il y a une nouvelle directrice de la fiction, lui lance un message, ça peut être le moment. Qu'est-ce qu'on a envie de vous revoir tous les deux? Vous êtes tous les deux formidables. Ils sont trop bien. Merci. Ouais. J'ai l'impression que c'est déjà dans l'écriture, il y a quelque chose de... Ils sont à la fois opposés, à la fois ils se rejoignent complètement, sauf l'envie d'être autre chose que ce qu'ils sont. C'est vrai. Et c'est là où ils se rejoignent, c'est qu'il y en a un qui voudrait être James Ellroy et qui est un auteur de polar populaire, voilà, un peu surclassé, quoi. Et puis il y a un gendarme de Moot qui lit des livres du FBI le soir dans sa chambre. Obsédé par le FBI. Ils sont déçus tous les deux. En tout cas, ils ont une espèce de rêve comme ça, beaucoup plus grand que leurs conditions. C'est là où ils se rejoignent, je pense. Mais comment vous expliquez depuis Fabrice Gobert avec Les Revenants, il y a aussi cette volonté parfois d'inclure nos fictions dans un espèce d'imaginaire. Alors là, c'est Moot, c'est le village le plus froid de France. Et en même temps, il y a plein de petits codes qui rappellent la culture nord-américaine, des références. On pense à Twin Peaks, on pense à Fargo, on pense à plein de choses. Il l'avait fait sur Fabrice Gobert sur Les Revenants, ces petits pubs, ces petites choses qui ne sont pas le routier de service. Enfin voilà, on a tous ces petits coins-là qui. Ouais, c'est des codes, c'est l'imaginaire du cinéma, je crois, juste, ou de la littérature. Littérature polar, ou c'est simplement l'imaginaire quoi qui est derrière là. C'est ce qu'on fait de notre monde. En fait, de toute façon, les cinéastes, quand ils racontent un monde, c'est
comment ils ont quel monde ils ont dans la tête. On convoque ce symbole. Peut-être que Gérald, là où il a grandi, dans sa tête un peu fucké à lui, il y avait des pubs et des chanteuses et des voilà. En tout cas, j'ai l'impression qu'on construit aussi notre réalité. J'arrête pas de dire le plus grand bien, je suis absolument pas neutre dans cette émission sur Polar Park. Mais c'est bien ce temps. Moi, je partage ton avis. Moi, qu'est-ce de base, j'aime pas beaucoup le polar, comme tu sais. Parce que moi, je regarde pas un film, je regarde pas une série pour savoir ce qui se passe, pour savoir qui a tué qui, ça m'intéresse pas du tout. Et là, justement, je trouve que c'est intéressant parce que c'est beau. En fait, c'est drôle sans être caricatural, c'est beau et léché. Ils sont maladroits les deux sans que ce soit du gag. Et en fait, ce mec qui fait des crimes en œuvre d'art inspire finalement l'intrigue, qui prouve qu'on peut faire du polar tout en faisant quelque chose de très beau. Et du coup, ça, j'ai vu les deux premiers épisodes et j'ai adoré. Et même dans le rendu des personnages dont on ne parlera pas, mais qui sont responsables de ces crimes plus ou moins fouillés, etc., qui, ça, vous le saurez en regardant le 6e épisode de la série, il faut aller jusqu'au bout, il y a des surprises jusqu'au bout. Même là, on est sur un fil d'équilibre en permanence. Et c'est ça qui est hyper malin. Ouais, c'était de toute façon le maître mot de nous tous, et c'est là où Gérald, ça a été le travail le plus probant quoi, sur le plateau, c'était l'équilibre. C'était de dire, attention, parce que parfois on avait des vannes qui venaient, par exemple nous, Jean-Paul et moi, on avait vraiment beaucoup de conneries dans l'œil souvent. Quoi. Enfin, il est quand même très drôle dans la vie, Jean-Paul Rouve, donc moi en tout cas j'avais l'œil qui frisait souvent. Même si j'essaie de le cacher. Mais toi, t'arrives avec l'œil qui frise, déjà. Mais ouais, voilà. Je le sens bien. On l'a, déjà là, il l'a. Donc ouais, on sent qu'il est en studio, on le voit. Mais l'équilibre, c'est de dire, attention, le décalage, l'humour et tout, ça peut séduire les gens, mais ça ne les tiendra pas. Et donc, il faut que le thriller, l'enquête soit à premier degré. Il faut que ces gens-là, il faut que les personnages n'aient pas conscience du décalage, n'aient pas conscience de la comédie. La situation est décalée, mais pas les personnages. Mais c'est ça. Eux, ils vivent la chose, quoi. Ils ont une enquête à résoudre, ils n'ont pas conscience que c'est un peu drôle et farfelu. C'est malgré eux qui nous... Ouais, complètement. Il fallait être au premier degré, tenu et au présent tout le temps, quoi. Parce qu'on est mort. Et on y croit qu'elle lit de l'avenir dans les lettres du Scrabble. C'est ça qui, à un moment donné... Ah, mais elle aussi. On le voit, après, il dit, je vais y aller, quoi. Et lui, il tombe dedans, hein. Il cabotine pas les acteurs, on dirait qu'ils s'en rendent pas c'est compte. C'est très retenu, ouais. Genre même le flic, la banderole qui est pas assez longue. Mais moi là, j'adore ça. Tout mon humour. Ils sont incroyables. Et il est juste là, planté là, et c'est. Ouais, il va la c'est chercher. Génial. Mais tous les personnages. Et c'est ce qu'on disait en première partie en disant que Arditi faisait pas du Arditi dans Clémenceau, mais même Jean-Paul Rouve, dont on sait que il a une certaine image, qu'il a une certaine façon de véhiculer l'humour, de le donner. Même là, on voit une nouvelle facette de sa personnalité et de son jeu d'acteur. Et je trouve qu'il est, je le trouve absolument fantastique dans ce rôle-là aussi. Quoi. Mais les acteurs, c'est aussi les rôles qu'on leur donne, hein, qui font leur identité. Les gens, ils plaquent des choses, mais évidemment que tous les gens sont beaucoup plus complexes qu'une simple image. Un emploi, ouais. Voilà, non, c'est sûr, il a quand même quelque chose de. Moi, je trouve. On sent des fêlures, il a une poésie très mélancolique. Il est quoi, très touchant dans cette série. Ouais. Il est très très touchant. Il y a évidemment d'autres acteurs, Pierre Lottin, Firmin Richard. India Air. Parlons-en de ce prof de français quand même, qui est quand même juste totalement délirant. Et là, on parlait de Twin Peaks tout à l'heure, ce genre de personnage un peu décalé, même dans les flics. Il y a cette très belle séquence, je crois que c'est dans le 5e ou le 6e, où les flics ont une chorale ou un groupe et ils jouent de la musique et tout. Ça m'a fait penser au groupe auquel appartiennent les membres du bureau du shérif Truman dans Twin Peaks, où ils jouent ce club un peu renfermé. Ils sont tous quand même, ils pourraient être des vrais personnages de comédie et en même temps ils sont toujours attachants. Ils évoluent dans un monde qui n'est pas une comédie, quoi, où il y a quand même des meurtres et... Mais ils sont drôles, ils sont décalés, ils sont... Poétiques, je trouve. Ouais, puis il a choisi aussi des acteurs, des actrices qui peuvent incarner ça, qui sont India Air, par exemple, elle est très... Il y a un phrasé très particulier qui pose les mots comme mais à sa manière. Elle a aussi beaucoup de créativité, quoi. Elle est tout le temps surprenante. Elle est... Donc voilà, c'est d'une simple scène où elle vient dire à Rousseau qu'elle est fan de sa littérature, elle en fait quelque chose d'un peu... Très habité. D'un peu habité, un peu barge, un peu drôle. Il y a aussi, là vous ne l'avez pas cité, mais il y a, moi je parle comme un spectateur, mais il y en a un autre. C'est bon signe. C'est Gaspard Meyer que je trouve incroyable. Ouais, qui joue Hugo, dans la série, le bibliothécaire. Hugo, là, qui est complètement... Il est génial. Ouais, qui a amené aussi sa folie, son truc, son hésitation, c'est sacré. Voilà, je trouve que c'est le plaisir des séries. En tout cas, moi, quand je suis spectateur, c'est de voir des personnages comme ça. Une galerie de personnages. Et d'être invité dans un monde, quoi,
D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnages dans Polar Park? Parce que Olivier Rabourdin joue un prêtre. Si je me souviens bien, il jouait un flic dans Poupoupidou. Ouais. Y a d'autres acteurs qui sont comme ça, à des rôles différents entre Poupoupidou et Polar Park, ou c'est le seul? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas. Non. C'est le seul. C'est le seul, oui. Qui a changé de costume. Mais je pense Gérald, il pense que Poupoupidou, ça serait ce qu'a écrit Rousseau de Polar Park. Quoi. Ça serait la fiction de la réalité. Il est un peu. Voilà, ah, qu'il a adapté. En fait, Poupoupidou, ça serait. L'enquête, c'est Polar Park et l'adaptation littéraire, c'est. Polar Park, c'est génial. Et après, c'est Poupoupidou en se disant voilà, on va changer un peu les noms. On va partir on va sur Marilyn. Plus jeune, on va. On va partir. Très, très et alors, la question qu'on m'a posée, parce que j'embrasse Fanny, journaliste qui travaille avec moi, qui a adoré la série, qui avait vu Poupoupidou et qui m'a dit, une fois qu'elle a vu la série, elle m'a dit, mais maintenant j'ai qu'une envie, c'est de lire les romans de Rousseau. Est-ce que vous savez si à la manière de ils avaient fait sur les serait capable, je pense, de les sortir, parce que Mathieu serait capable de les écrire, de les écrire, déjà. Les sortir, je sais pas, mais les écrire, je pense qu'il est assez fou pour parce que ça. Les Papillons Noirs, ils avaient il y a l'écriture d'un roman dans Les Papillons Noirs et ils l'avaient sorti au moment de la sortie du bouquin dans la série. Je crois pas que ça soit prévu. Ah, mince. Mais on peut mais ça pourrait idées, hein, franchement. Gérald, il faut sortir les romans. On a envie de les lire, ces romans. Est-ce que Soliane, tu chantes ou pas alors? Alors, je chante, mais c'est pas ma voix qui a été gardée sur la série. Ouais. Bon, bah écoute, allons voir. Tu as découvert la tienne maintenant. Non, j'ai pris le défi quand il m'a offert ce rôle. Et en voyant quand même toute l'équipe de musiciens, le compositeur Stéphane Lopez, qui me disait attention, parce que c'est pas sûr que ce soit ta voix qui soit gardée. Il a des goûts très. Enfin, il sait vraiment ce qu'il veut, quoi. Et donc j'ai enregistré en studio et tout, Stéphane Lopez était hyper content, il me disait ouais, « moi je trouve que ça marche très bien, que cette petite nana de Mout et cette voix-ci ne refait pas la petite nana de Mout dans le pub ». Et en fait Gérald c'est a écouté le titre et... de l'émission, la nana de Mout. Petite... Oh, bah, je vais le mettre en titre, hein, ça va arriver. Non, mais je te jure, je vais te demander, c'est chaud. Et en fait la veille du tournage, Gérald écoute et il dit « ah non mais c'est super, mais en fait c'est une voix à la Charlotte Gainsbourg et moi je veux Lana Del Rey quoi ». Donc on ne devient pas Lana Del Rey en deux minutes. Je te confirme. Mais du coup, je... Mais Charlotte Gainsbourg, ça a du goût. Non, plus. Non, c'est clair. C'est déjà énorme. Non. Moi, et en fait, donc, elle s'appelle Karina Ramage, la chanteuse qui chante. Et je vous invite à aller écouter son travail. Mais c'est toute sublime. La musique est extraordinaire. Parce que ouais, moi, je félicite. Je crois que c'est une des premières personnes que j'ai contactées après Série Mania pour lui dire cette c'est musique trop est fantastique. C'est générique. D'ailleurs, graphiquement aussi, le générique est une belle réussite. Mais la musique, moi, je l'avais contactée. Il m'avait envoyé 5 ou 6 morceaux que j'écoute en boucle dans mon téléphone. Parce que je les sorte une. Ils sont en train de la BO. Ils sont en train de la masteriser au moment. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça. On parle. C'est fabuleux. On est là, hein. N'oubliez pas, on pourra en reparler de la musique. C'est une vraie belle découverte. Voilà, et sur les bandes originales d'Arte, c'est vrai que depuis quelques temps, on pensait Papillon Noir, Clément Terry qu'on avait reçu, et aussi une belle signature comme ça musicale. Oui, Guillaume. Ouais, je rebondis sur des trucs, mais tout à l'heure, vous avez dit les Scrabble, on y croit. En fait, je crois que c'est ça la grosse force de la série, c'est que. Au début, on pense comme le gendarme un peu cartésien et on se dit, attends, ils sont un peu barjots quand même tous avec leurs trucs et tout. Et finalement, au fur et à mesure qu'on avance, on est un peu comme ce gendarme-là. On se met à penser comme Rousseau et comme Nicky d'ailleurs. Et on se met à pouvoir penser comme ça, quoi. Même le spectateur, je pense, change sa manière un petit peu de penser et s'ouvre à un imaginaire. C'est amusant de se dire, eh, finalement, c'est assez marrant de penser à la fumée des fraises. Les Indiens, mais oui, les la fumée de Scrabble, le truc dans les cafés, l'élixir qui rend fou et tout. Et je trouve qu'il y a un vrai plaisir de spectateur à se laisser aller à ça, côté, à se dire oh, en fait on peut être barjot, quoi. Soyons ouf, on peut penser. Soyez-vous. Allons passer la nuit sous un tipi. Ouais, c'est ça. Ouais, très décomplexant. C'est marrant, c'est qu'on peut penser complètement différemment, quoi. Et en début d'année, on avait un coup de cœur qu'on recevait ici qui était 7e ciel, cette magnifique histoire d'amour dans la série. Et c'est vrai qu'on pense à Féodor Atkin, qui était le héros de 7e ciel et qui joue le rôle d'un indien, vous verrez, vous le découvrirez à la fin. Et génial, un chaman. Incroyable. Et voilà, qui est formidable. Voix, la plus belle déjà, il a une voix. C'est un français, quoi. Dr House, évidemment, la voix française de Dr House, évidemment, on l'aime. Polar Park, qui est une petite pépite, un bijou, ça fait tellement du bien en cette fin d'année. Je termine en vous posant cette question-là, je l'ai posée la semaine dernière à Clémentine Poidat, mais je la pose, il n'y a jamais eu autant de neige que depuis dans toutes les séries, que depuis qu'il y a de la pluie de nulle part. Ça renvoie à un imaginaire collectif, cette neige ultra présente dire dans cette fiction. De se rassurer, ouais. On en a plus, c'est vrai.
Il y en a beaucoup, il y en a. Peut-être qu'on en rajoute à la télé parce que ça fond. Et que ça nous manque parce que c'est un vrai élément de décor. Que c'est en train de disparaître. Et c'est un vrai élément de décor. C'est devenu un fantasme. En tout cas, il y a quelque chose d'assez féerique, d'assez magique, d'assez infini, quoi. Avec la neige qui crée tout de suite un horizon. Voilà, c'est beaucoup plus. C'est grandiose, quoi. Donc, voilà, c'est. Et c'est beau, et en même temps, il y a cette espèce de neige qui calme. Alors qu'en fait, quand on creuse, quand le bruit des pas sur la neige, et en fait, quand on creuse, on découvre toute la noirceur, évidemment, de ces gens dans cette ville. Et mon Dieu, faites une saison 2 Arte, je le redis, à la nouvelle patronne de la fiction qui vient de prendre sa place. Vous ne faisiez pas de saison 2, faites de la saison 2 maintenant, parce qu'on a envie de retrouver cet univers. Ils en ont fait quelques fois. Ils en ont fait, mais ils le disent, ça ne marche pas chez eux. Mytho, c'était une mais là, 2, ça marche. Ah, en thérapie, ça marche. En thérapie. Mais ils disent, mais le problème, c'est que ça marche moins. Mais là, celle-ci, on a envie de la revoir, on a envie de les revoir, on a envie de l'en voir porter sa chapka, on a envie de revoir la voix off de notre ami Jean-Paul Rouve, et on a envie peut-être d'entendre enfin la voix de Soliane chanter dans cette série. On découvrira que c'était pas elle finalement. Dans la série, on le dira aussi. Et ce sera formidable. On va terminer cette émission et je vais le faire régulièrement maintenant, d'essayer de vous conseiller de redécouvrir certaines séries. Les plateformes se regorgent de plein de nouveautés, et moi j'ai essayé d'aller chercher un peu des pépites, des choses un peu plus inconnues mais qui sont disponibles sur les plateformes. Et là je vais vous emmener vers certainement l'une des comédies américaines les plus drôles de toute l'histoire des comédies américaines, qui est moins connue en France, qui est pourtant disponible sur Paramount+, la plateforme Paramount+. Kelsey Grammer joue le rôle de ce personnage iconique. Il l'a interprété pendant plus de 20 ans entre les années 80 et les années 2000. Il vient de le reprendre pour une nouvelle saison, et je vous propose de découvrir un tout petit extrait du dernier épisode de 2004, ça s'appelle Frasier. I have loved every minute with my KACL family and all of you. For 11 years you've heard me say, I'm listening. Well, you were listening too. And for that, I am eternally grateful. Good night, Seattle. Le personnage de Frasier naît dans une sitcom dans les années 80 qui s'appelle Cheers, qui se situe dans un bar de Boston. Il est psychanalyste, il est un peu paumé, il a une relation difficile avec sa femme. Et puis, le personnage va vivre pendant 8 ans dans Cheers, en étant un des personnages de cette série. Cheers, qui est l'une des séries qui a rempli le plus d'audience pour son dernier épisode. Ils étaient 93 millions à suivre d'Américains sur le dernier épisode de Cheers. Aussi, on a décidé d'en faire une série dérivée qui naît juste après la fin de Cheers, qui s'appelle Frasier, qui elle aussi va durer pendant 10 ans. C'est une comédie hilarante parce que ce psychanalyste va devenir donc animateur de radio, où il va conseiller les gens alors qu'il a une vie complètement déplorable. Il vit avec son papa, un ancien flic qui lui en fait voir de toutes les couleurs, un chien, Jack Russell, qui vit comme un roi chez lui alors que son appartement est fait d'œuvres d'art et de canapés en rotin, enfin plein de choses très très belles sur lesquelles il ne faut pas salir. La série est hilarante. Kelsey Grammer est absolument formidable. On l'avait découvert dans les années 2000 dans une autre série qui s'appelait Boss, où il jouait un personnage de maire de ville tyrannique au possible, mais dans cette sitcom-là, il est absolument génial. C'est une institution aux États-Unis, à tel point que Paramount a décidé de ressusciter la série pour une nouvelle saison qui vient de commencer depuis le 12 octobre. Les nouveaux épisodes sont tout aussi drôles, sauf que cette fois-ci, il revient à Seattle et il est confronté à son fils qu'il n'a pas vu depuis des années et qui n'a pas du tout envie de voir son père s'installer dans l'appartement d'en face. Je vous la conseille vraiment. Soit vous découvrez directement la nouvelle saison qui vient d'être lancée, soit Paramount Plus vous propose les 11 saisons de Frasier et les 11 saisons de Cheers. Wow. Si vous aimez les sitcoms à l'américaine, c'est ce qui s'est fait certainement de plus drôle à la télévision américaine pendant très très longtemps, et c'est à ne pas rater. Oui. Et est-ce qu'on peut aussi conseiller le premier long métrage de Guillaume, que j'ai adoré et qui est disponible je crois maintenant sur MyCanal, et qui s'appelle La mort est mio, et qui est absolument sublimissime, et c'est pas juste parce que je suis italienne, et c'est un film qui m'a bouleversée, et je voulais vraiment le recommander. Ah bah ok, merci. Non, mais ah oui, j'allais y venir, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, c'est vrai que vous étiez en préparation de ce long-métrage-là. En un mot, pour finir, ça fait quoi de s'être lancé dans cette aventure de la réalisation ? Je sais pas, c'est génial. Moi, ce que j'aime, c'est l'idée de fabriquer de la fiction, du cinéma, voilà. Je tourne depuis que je suis adolescent. C'est une continuité, quoi. J'ai pas eu l'impression de rompre avec le fait d'être acteur parce que je faisais ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'artisanat, quoi.
voilà, d'être le plus sincère possible dans tout. Donc là, avec Gérald, et puis pour mon film, bien sûr. À mort des millions, c'est ça. Je le disais mieux que toi, mais c'est pas vrai. Excusez-moi, moi je suis plutôt Moot, hein, excusez-moi. Moot, j'arrive très bien à le dire. Mais je fais pas quand même la nana de Moot. La nana de Moot. La nana de Moot. Ça peut être un hashtag, en fait. On lance un hashtag. On lance le hashtag. La nana de Moot. Cet après-midi, je lance ça. Et ne vous trompez pas en l'écrivant. Polar Park, donc je le rappelle, depuis le 25 octobre sur arte.tv pour voir l'intégralité des 6 épisodes. Et puis les 2 et 9 novembre, on le revoit. Sur Arte à 20h50. Je remercie évidemment les équipes d'Arte qui nous ont permis de faire cette émission, et je vous remercie vraiment tous les deux d'être venus, parce qu'on s'est régalé, et comme on s'est régalé à voir cette série, ouais. Voilà, et on félicite tout, votre accueil, à travers de votre présence, de toute l'équipe de cette série et de ce petit bijou qu'on était ravis de mettre en avant. Merci à Robinson et Alexandre qui étaient à la manette en régie, et on se retrouve la semaine prochaine. On va parler encore une fois de genre la semaine prochaine avec notre invité. On parlera notamment de... Oh, vous verrez, c'est un univers, un acteur qui tourne dans plein de productions à l'étranger. Vous l'aviez vu notamment dans la série 1899 sur Netflix, pardon, ou encore dans La Nonne 2 en cinéma d'horreur au cinéma. Bref, on a plein de choses à voir avec lui. À la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Merci. Merci.